We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. Et bonjour tout le monde, c'est Revanzuil et bienvenue sur The Division 2. Comme on a fait les tests précédents avec le stuff vert, maintenant je me suis monté un petit stuff explosion qui commence à être rigolo. Puisque au niveau des grenades, on a dit j'en suis à 522 000 dégâts. Ce qui, avec une bonne petite PM, donne des résultats assez rigolos, on va pas se le cacher. Là, je suis en moyenne à 500k DPS, j'alterne avec les 800k. J'ai fait des tests en PVP, en off, en DZ. Je me suis trouvé un groupe, on est parti à 3 farmer, sauf qu'on est tombé contre 2 renégats qui essayaient de nous farmer. En les contournant, 2 grenades couchées. Et ça, je l'ai fait 3 fois. Donc, soit ils étaient un peu... Soit je suis très discret, soit ils étaient un peu nuls, ou ils s'étaient focalisés sur les autres, peut-être, je sais pas. Mais pour ne pas me voir, à moi, faut quand même le faire. Donc sinon, niveau stuff, où j'en suis, tête shine, qu'il va falloir que je change parce que les capacités sont pas extraordinaires. Dégâts aux ennemis d'élite, c'est bien, mais ça manque de puissance. Et 9% du temps de réduction du temps de rechargement de 9%, c'est pas énorme. Donc dans l'idéal, si j'arrivais à avoir une puissance de compétence et proba décrite, dégâts décrites, ce serait idéal. Et j'ai en capacité dessus, j'ai destructeur. Un sac 511 tactical. Protection pour la protec, dégâts des crits, réduction du temps de chargement, santé, durée de compétence et dégâts des explosions. Ouais, les modes pour l'instant on s'en fout, c'est du classique. De toute façon je vous les montre juste, je les détaille pas. Murakami que j'ai modifié en dégâts des PM, j'ai laissé le destructeur et le santé. J'avais d'autres gants qui étaient intéressants pour le dégât des PM mais il n'y avait pas le destructeur et ça me plaisait pas de le remplacer. C'était un effet qui était... Non c'est pas celui-là. C'est l'équivalent du Haraldi. Détruire la protection d'un ennemi confère 25% de dégâts au crit. Voilà, c'était l'équivalent. Sauf que l'effet de base, c'était de la merde, donc je l'ai pas pris. Ensuite, un Skolkov. Plus 10 de dégâts DPM, proba des crits, santé et protection automatique. Enfin, 25% de régène de protection automatique, c'est pas mal. Holster Haraldi Holding, précision, proba des crits et destructeur. Overlord en protection corporelle avec dégâts des armes, dégâts des headshots, protection bonus et Exploser qui est fumé. Le rayon d'effet des grenades est accru de 150%, les grenades sont récupérées si elles tuent l'ennemi. C'est totalement fumé. Et faut faire attention aux effets, je vais remplacer le dégât des headshots par une probabilité ou un dégât des crits. Ce qui fait que j'en suis en stat à 20, 40, 60, hop là, pardon, non. 20, 40, 60, 80% de dégâts des explosions. Sachant qu'il faudrait que je change le capacitif. Le capacitif, c'était quoi déjà? Non, celui-là, il avait bien le destructeur. Non, c'était pas lui. C'était lui, je crois. Non, c'était pas lui. C'était lui. Capacitif. D'ailleurs, est-ce que j'ai un destructeur qui traîne par là? Capacitif. Destructeur, parfait, j'ai un destructeur, je voudrais juste vérifier si je peux le changer. Si je peux mettre deux destructeurs sur le truc, ça pourrait te fumer. 40% de dégâts des explosions, là ça commencerait à être assez rigolo. Donc c'était... Vous n'avez pas assez de matériaux. Ah merde, je peux pas voir. Bon. Il me manque de l'électronique. Je viens d'en récupérer 98 en DZ, mais on va pas aller en DZ, on va aller en conflit. Pour continuer d'essayer à le bignou. À le bignou magique. Enfin le bignou. Le build. Le bonbon build. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup ce build grenade, il est assez rigolo. 79, ouais, ça va. Non, parce qu'après j'ai d'autres trucs, mais bon, j'ai pas... Est-ce que j'ai pas un destructeur en fait qui traînerait, qui soit mieux? Frappe intense efficace, vide, destructeur avec du soutien que je peux pas avoir, donc c'est pas intéressant. Vide, efficace, frappe intense vitale, fortifiant endurci, doué, que je peux pas avoir, et destructeur. Endurci efficace, vital fortifiant, vital doué. Donc non, j'ai rien de réellement intéressant. Bon, faudra que je fasse du ménage là-dedans.
Et donc, partons en conflit. J'aime bien le mode conflit, c'est rigolo. Je sais jamais trop ce qui se passe, mais c'est rigolo. Ah, là, je crois que je suis déjà en partie. Mais là, en général, c'est très compliqué. Sachant que mon PM n'est pas des masses optimisées. C'est mon démolisseur n'a pas grand-chose d'opti. Je dois avoir deux trucs que j'ai commencé, c'est-à-dire plus 5% de dégâts des PM et plus 5% d'autres dégâts. Oh, on se fait massacrer. Merde. Oups. Au secours. Oh, j'ai que deux grenades. Oh, quel enfer. Bougez pas. Au revoir. Prends des risques, prise de risque. Merde, ça vient d'où? Non, non, voilà, merci. Attendez, j'arrive. Merde. Ok, on a quoi? On a un joli sniper. Et on a quoi ici? On a un PM. PM optimisé, j'imagine qu'il est corps à corps là-dessus. Ah non, il a contrainte qu'il l'utilise même pas. Oula, bah c'est pire que moi. Il y a une PM qui est plus dégueulasse que la mienne. J'ai plus de grenades, quel enfer. Ah merde. Un agent a besoin d'aide. Je l'avais pas vu. Assistance médicale immédiate nécessaire. Putain, ils sont violents. Agent immobilisé. Agent décédé. Non, je peux pas les voir. On a peu de temps pour voir les stuff des autres, c'est assez perturbant. Faudrait l'enregistrer en fait, faudrait avec le record tu enregistres et tu regardes ce qu'il y a pour créer tes builds derrière. Ça peut être très intéressant. En fait la DZ en non normalisé est plus intéressante pour ça. Est-ce que je peux tenter de les contourner où ils sont tous là comme des débiles? Non, ils sont pas là. Vous allez où? Donc moi je vais de l'autre côté. En général, quand je contourne, ça se passe bien. Essayons. Discrétion, 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 discrétion. Un agent a besoin d'aide. L'ennemi est trop fort. On risque de devoir vous exfiltrer. Merde, ils sont où? Non mais je contourne mais je les vois pas. Vous n'avez plus beaucoup de renforts, faites attention. Merde. Ah ils étaient combien? Oh, putain les mecs, oh ils gèrent. Le seul problème que j'ai c'est que j'ai pas assez de grenades et j'ai encore du mal à les gérer. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, t'es bien. Je vous ai envoyé un ravitaillement spécial. Merde, ma grenade n'a pas eu le temps. C'est terminé. Ils étaient trop forts. Ah, je suis dégoûté, ma grenade. Si ma grenade avait été touchée, j'aurais pu les avoir. C'est... Ah oui, c'est les médailles, ok. Ah, il y a des mecs qui gèrent. Quoi? Allez voir la réserve. Merde. Dans votre boîte, vous avez des objets dans votre... Oui, oui, ça je sais. Qu'est-ce qu'il me dit, ce con? Bah ouais, je suis au courant, j'ai des objets.
Dans la boîte de réception. Ah oui, c'est ce que je viens de faire en DZ. Mais ça fait un bail que j'ai des trucs dans la boîte de réception, donc je sais pas ce qui me chie le jeu là. Je vais aller jeter un coup d'œil. En plus, je suis pas fou là, l'inventaire, si. Et j'ai fait encore. Ah, ça doit être des mods. Non, même pas. Je sais pas quand j'aurais obtenu un mod. Bizarre. En attendant, je suis content, j'ai récupéré mon Astro A40. Ce casque est bien, sauf que je l'ai acheté en reconditionné à l'époque et le câble était foutu. Et depuis, je galère à trouver un câble. Ce casque est un peu spécial. Et là, le câble que j'ai, je croyais qu'il était mort, mais pas du tout, et j'en suis très content. Il est très agréable. Mais il fait presque beau, hein. Presque. Bon, qu'est-ce qu'il me chie avec la réserve, l'autre, là? Le jeu. Ouais, je m'en fous. Ouais, bah, je sais. Je sais que j'ai du merdier. Mais toujours, j'ai toujours eu du merdier. Ouais, j'ai ça. Bah oui, j'ai peut-être farmé aussi avec des mecs 350. Et je me suis pas aperçu que ce que j'ai extrayé, c'était de 350. Ah, aide. Hein? Putain, c'est cool, ça. Attendez, il m'en manquait combien? Il m'en manquait plus que ça ou moins que ça? Je sais plus. Non, c'était 38, j'en ai pas assez. 50. Ouais, dommage. Dommage, à 8 près. Non, il n'y a rien d'autre de réellement intéressant, hein. Bien sûr que non. Bon, ça, ce sera à vendre. Oh, un destructeur. 7% des FM, exécution, du Jarl Greer, ouais. Inclassable, inclassable. Fortifiant, durci, non, on y est. Mon Luster, il est bien en destructeur. Oui, destructeur, bon, je m'en fous. 99 et 79, tout va bien. Va vraiment falloir que je fasse du tri dans le stuff. Mais pour l'instant, on s'en fout. Notre but est juste d'avancer en confit. Voir. Peut-être pas qu'en conflit finalement. Là, non, normalisé, elle est là. On va voir. On va voir, je vais essayer de me friter avec des joueurs, voir si ça passe. Sachant que là, tenter le renégat ici, vu que je suis un peu une cheps, je vais pas le tenter des masses. J'ai tenté de bricoler aussi un stuff tank, c'est pas encore à 100%, surtout qu'il faut que je le refasse parce que j'ai mal enregistré le package, le pactage, et je l'ai perdu. Donc je vais devoir le refaire de zéro, et je pense que je peux tenir quelque chose de sympa. J'avais 500 000 PV avec le bouclier. Et j'arrivais à tenir au milieu, j'ai tenu sur une prise de contrôle niveau 2, debout au milieu, quasiment tout le temps. Je me suis juste planqué 5 minutes. Ouais, je m'étais juste planqué 5 minutes pour me soigner, c'est tout, deux fois. Enfin, 5 minutes, 5 secondes. Ouais, non, t'as toujours rien. Oh, on sait jamais. On sait jamais, dans les autres, dans le premier division, il y avait une chance d'avoir une arme pétée là-dedans, donc bon. On sait jamais, peut-être un petit miracle. Un truc qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a moins de vendeurs intéressants dans le jeu. Les vendeurs sont pas intéressants. Oh, ça se frite, ça se frite. Tu es le joueur discret. Bon, il va m'arriver dessus, donc on va... Aïe. Et merde. Bon. Dark Thomas, il m'a fait 520 000 dégâts. Ah oui, avec le bouclier. Désolé pour toi, Dark Thomas. Hein. Mais bon, fallait bien que j'arrive à tuer quelqu'un en DZ. Allez, donc ce stuff il fait un poil plus de dégâts. Je suis dans le bon sens ou pas? Peut-être, oui. Oui, je suis dans la DZ, tout va bien. Pas encore vu? Salut. Bon, oui, au bout d'un moment.
Aïe. C'était un peu cramé. Ah ouais, c'est un FMPM. Sniper FMPM et D50. Et quel niveau? 480. Putain, il est 500. C'est étrange. Étrange son stuff. Bon. Bon, tant pis, hein, si je perds du level. Je suis là pour m'amuser. Ah, j'ai perdu qu'un niveau, putain. Très étonnant. Quoi, il est où? En fait, je vois un joueur là. Très bizarre. Bon. Le problème, c'est que si je reste par là et qu'il sort, je vais me faire buter. Donc, on va faire attention. Quoi, d'où? Ah, bonjour. C'était quoi ça? J'ai pas tout compris. Ah, Dark Thomas. Non, c'est lui. D'accord. J'avais pas compris. J'ai pas pigé ce que t'as pensé. Oh putain, ça coûte cher la DZ. La DZ non normalisée. Ça coûte hyper cher. Là, j'ai intérêt à me barrer très vite. Non, je bouge parce qu'il va revenir sur moi. Et si je pouvais l'éviter, ça m'arrangerait. Donc oui, j'ai un bonus de destructeur qui fait que ça me charge à 70%. Non mais je suis plus là-bas. T'es mignon le jeu, mais je suis plus du tout là-bas. En fait, j'ai 70% de régène, 30 secondes avec 100% de maniement d'armes et après les 30% finaux de régène. Donc ça me permet d'avoir une petite régène en plus après, au bout de 30 secondes c'est pas mal. On va essayer d'avancer, on verra bien. J'ai même pas lancé une grenade, le pauvre. Si j'avais lancé une grenade, je le plains. Enfin, je l'aurais plein. Merde, elle est où l'entrée dans celle-là? Je sais que c'est en dessous, mais je sais même pas où on rentre. Ah, même que ce soit pas en dessous du tout. Déjà que j'aime pas les Black Tusk. C'est en dessous, c'est ça, mais par où on rentre? Ouais, repère nettoyé. Oui, bien sûr, merci. Putain, je sais jamais comment on accède à ce putain de point de repère. Je sais qu'il y a un escalier par là, je crois. Enfin, je crois. On verra bien. Ah bah oui, un gros truc. Plus c'est gros, plus ça... plus c'est gros, moins c'est visible, après tout. C'est caché à la vue de tous. Pas caché 2, mais caché A. La vue de tous. Sur le principe, si vous voulez cacher que... Ouh. C'est où 500 mètres? Ah, ça a chahé les mains. Tout va bien. Ouais, j'ai une PM, je sais. S'ils évitent les grenades, maintenant les mobs, mon stuff n'est pas jouable.
Putain, les mecs ont quand même un sacré ultra instinct. L'ultra instinct des Black Tusk qui évite les grenades et qui évite les balles. Ça a été changé. Le comportement des mobs face aux grenades a été changé. Et c'est dommage. Par contre, ces trucs, non, c'est pas du tout fumé. Ça te paralyse et ça t'enlève de la vie. C'est normal que toute la map soit rouge. Enfin, toute la mini-map en vrai soit rouge. C'est vrai qu'au niveau combo, c'est légèrement différent. Ah non, j'attaque deux points. Ouh putain, oui, c'est la merde, effectivement. Faut que je bouge. Je suis en train d'attaquer deux points de repère, en fait. C'est un peu la merde. Restons par là, ce sera plus prudent. Allez, Maurice, avance. Allez, mais viens, casse-couille. Je peux pas aller te... J'ai pas envie d'aller te chercher là-bas, donc bouge. Oh putain, je peux même pas le faire bouger à la grenade. Ah, les médecins minaires. Un chien de guerre qui me spawn sur moi, c'est pas la bonne idée ça. Aïe. Prendre des baffes à 120 000, ça a toujours pas été nerf ça. Les mecs te foutent des baffes à 120 000. Avec des grenades, tu feras difficilement autant de dégâts. Ouais, j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Là, il y en a deux. Regarde-moi ça. Putain, mais... Ah oui, d'ailleurs, ça aussi, c'est un problème du jeu. L'apparition des points de repère est complètement fuckée. Ah, saloperie. Ouais, l'apparition des points de repère, comme vous voyez, est complètement fuckée. C'est n'importe quoi. Plusieurs fois, je me suis fait avoir. Enfin, avoir. Je l'ai géré quand même. Mais sur une zone qui a apparu trois fois d'affilée. C'est un peu fucké le machin. Là par contre je devrais m'inquiéter. Là je vais devoir m'inquiéter. Oula. Parce qu'il y a un joueur en dessous en fait. Putain, mais elle est où l'entrée encore? Merde, au secours. Oh, j'aime pas cette Dark Zone pour ça, tu perds tout. Je m'y repère jamais dans ces putains de Dark Zone. Ah, ça y est, eh ben putain. Sachant qu'il y a un joueur, donc faut que je fasse gaffe. Ou alors c'est les points de repère qui se fritent l'un l'autre. J'aurais tout gagné. Ah non, je crois qu'il y a un joueur. Désolé mon vieux, mais je pas porteuse. Quoi, où ça? Je
Ouais, mais putain, mais. Moi, il m'a latence en plus. C'est rigolo ce genre de truc. Par contre, tant pis si je perds le... Ah non! Au secours! Il est déjà là? Au fait, c'était quoi cette grenade? Ah mais y'a un mec qui fournit des munitions spéciales dans l'eau, c'est tellement casse-couille ça. Faut que vraiment que je reprenne le cooking off. Ah merde, je l'avais pas vu. Vas-y, tiens, prends mon stuff. J'ai du stuff, prends mon stuff, vas-y, c'est cadeau. C'est cadeau, Maurice. Et donc, on finit cette vidéo avec, avec la DZ classique. Ou alors, ouais. Donc, le stuff se comporte très bien, reste amélioré. Je suis encore un peu une chips et je fais pas encore assez de dégâts à la PM. Ah oui, merde. Non, je sais pas. Ah, si. Chercher à me téléporter au clic, c'est rien. Donc le stuff est encore à améliorer, c'est pas un stuff qui est 100% opti. C'est juste une idée, si ça peut vous donner une idée d'un stuff à jouer, c'est le principal. Moi je suis pas un professionnel de The Division, j'ai des idées de temps en temps, j'essaye, c'est rigolo, ça me plaît. Donc. Moi c'est le principe de toute façon que vous retrouverez tout le temps sur cette chaîne, c'est de s'amuser, point. C'est tout, y a rien d'autre. Et d'ailleurs le MK17 que j'ai obtenu, est-ce que c'est de la merde ou de la merde en fait? Parce qu'à chaque fois que je vais dans CDZ, même les objets que j'ai extraits sont pourris en fait. Et là, c'est du... Ça, j'avais déjà. MK17 militaire, 497, équipé de contraintes, distance et en rythme, c'est de la merde. Donc, vu l'efficacité de cette DZ, je crois qu'on va, on va finir en conflit. Hein. C'est trop très bien. On peut faire des kills. Avec un stuff comme ça, on peut faire des kills. Il me faudrait, en gros, là, pour l'améliorer... Il me faudrait un masque de meilleure qualité, un China, avec destructeur. Mais avec des meilleurs atouts derrière, des meilleurs... Ah merde, perdu le nom. Ouais, des meilleurs machins derrière. Il me faudrait ensuite des meilleurs attributs. Donc un China à changer. Dans l'idéal, changer celui-là, le 511, qui est pas terrible. Le Murakami, on va le laisser, mais l'améliorer. Skolkov, ouais, non, il faut le laisser, mais changer l'ajustement. J'hésite, parce que l'ajustement automatique est sympa, ou alors... changer la proba décrite et la dégâts des sang- et la santé, c'est tout ce qu'il faudrait, remplacer par une protection bonus, ou changer la régénération de la protect par une protect plus forte, ou je sais pas. Un rally holding est pas mal, si je pouvais avoir un dégâts décrite... un Wyvern, je pense qu'un Wyvern équivalent, avec 11 ou 13% de dégâts décrite et... Destructeur serait pas mal. D'ailleurs, je dois avoir récupéré ce qu'il faut, donc j'ai peut-être un Wyvern qui serait pas mal, qui serait intéressant. Petrov, Arialdi, Murakami, Fenris, Gila, Providence, Richter, Wyvern. Proba décrit, dégâts. Ah bah j'ai rien du tout, donc Wyvern c'est même pas la peine. Douglas Harding c'est précision, donc c'est pas la peine. Puissance de compétence, protection totale, dégâts des fusils d'assaut, Murakami, précision. Et c'est du Arialdi que j'ai déjà. Dégâts des FM, non, ça ne m'intéresse pas. Il me faudrait une... Non, mais là, j'ai rien. Là, je peux pas la remplacer pour l'instant. Ensuite, ici, on a dit qu'on remplaçait. Et le Overlord est bien, mais il faudrait que je change le dégâts des headshots en proba décrite. En proba décrite ou dégâts décrite. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? D'ailleurs, oui, je ne vous ai pas montré ça. Faut que j'augmente le dégât des armes. 9000 de dégâts des armes, c'est rien.
Un tir sur 3 avec ça qui fait du crit. Faudrait que j'augmente le dégât des crits. Ouais, ou alors un peu de proba, ça pourrait pas faire de mal. Ou dégâts des armes, tout simplement. Dégâts des armes plus 10%, ce serait appréciable. Dégâts des crits, proba, dégâts des crits, dégâts des armes. Dégâts des crits, dégâts des headshots. Dégâts des crits, proba des crits. Donc ouais, un dégât des crits serait pas mal, ça me ferait passer à 50 de dégâts des crits, ce qui serait intéressant. Et surtout, il a des... Oh, il a destructeur. Oh! Prends ça. Parce qu'il a le destructeur et il a ce qu'il me faut en fait comme attribut. Parce que celui que j'ai actuellement, c'est un dégât du fusil. Ouais, bah c'est de la merde en fait. Pourquoi j'ai pris ça? Je joue pas fusil, je suis très con. Hein. Ah, mais j'ai l'exploseur. Donc, il faudrait que je passe l'exploseur. Il faudrait que je passe le exploseur sur lui. Et là, ah mais non, c'est Overlord, c'est de la merde. Qu'est-ce que je dis encore moi? Je suis en train de péter un plomb. Donc non, tu vas me sortir déjà. Ce que je veux pas. Overlord, donc c'est lui qui va dégager. Et lui. Le Petrov, il peut se dégager aussi. Et celui-là, il peut dégager aussi. Ok, j'avais un Overlord que je vais pas en dégager en fait. Lui, je pense que je crois. C'est lui ou lui, je sais pas, un des deux, ouais, je vais les remettre en fait, parce que je ne vais pas les dégager. Dégâts des fusils mitrailleurs, dégâts des fusils mitrailleurs, dégâts des fusils mitrailleurs. Oui, mais non, mais j'ai déjà un Overlord, c'est complètement con en fait. Murakami, il sera pas intéressant. Protection totale, enfin protection des altérations serait pas mal. Il faudrait que je change de sensu, mais ça m'étonnerait que ça passe contre le mode que je veux. Ajustement automatique sur le Alps et le Skolkov, dégâts des PM, dégâts des crits. Ah bah c'est le Skolkov, il n'y a pas à chier. Hein. Mais il a déjà été modifié et donc je peux pas remplacer le capacitif, fait chier. Donc va falloir que je trouve un Skolkov. Objectif, trouver un Skolkov. On fait une autre partie. Ouais, on fait une autre partie. On fait une autre partie en conflit. Je suis un peu dégoûté de avoir de Skolkov en fait, de protection totale en Skolkov. Quoi? C'est débloqué là-haut? Bonjour? Zeka? C'est débloqué? Non, non, c'est pas débloqué. Non, je cherche pas Maurice, c'est pas débloqué. Je me suis dit, je sais pas, il y a quelqu'un. C'est très rare de voir du monde là-haut donc. Hop là, salut! Allez go! T'as à moins que quoi? Quelque quoi? Ah oui, ma merde, j'ai déjà trop de mal. Ouais, j'ai vu un truc bizarre affiché. Non, mais je suis niveau 6, donc je m'en fous. Oh, on aura un coffre à la fin de cette vidéo. On finira par un opening. L'opening. Peut-être que j'aurai des émotes. Oui, parce que j'ai la caisse que je vais obtenir là, puisque je suis fin de niveau 6, donc je passerai niveau 7, donc j'aurai d'office une caisse. Et normalement, avec... Ouais, faudrait que je... J'aimerais bien commencer à choisir la carte sur une partie, ce serait pas mal. Ah bah voilà, domination, escarmouche, escarmouche. Domination, c'est ça, escarmouche, c'est ça, Georgetown, c'est... Ce serait pas mal pour le grenadier. Ce serait mieux que le stade. Georgetown se gère mieux. Avec ce stuff grenadier, si je ne m'abuse. Ah, 4 pensées. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que j'ai jamais joué, je crois, avec un Français. Là, la partie que je vous ai indiquée tout à l'heure, où j'ai fait réussir à faire 4 kills d'affilée, c'était avec des Russes. Un Russe, un Allemand, je crois, ou un Allemand, un Espagnol, ou un Russe, un Espagnol. J'ai pas su définir si c'était du Russe ou de l'Allemand à la voix. Il avait réactivé son micro, mais comme le second était Espagnol et moi j'étais Français. Que ce soit du russe ou de l'allemand, c'est un peu compliqué. J'ai pas encore pris l'allemand en plus. C'est un projet. J'adore les styles vestimentaires dans ce mode de jeu sont géniaux. Ah les mecs, ils sont bien. Moi je reste un paria, j'aime bien. Ah non, je suis un agent secret, je suis plus un paria. J'aime bien le paria aussi. Ah oui, si. Putain, on dirait Super Mario. J'en veux pas. Hein. Moi, il faut que je monte, donc on va les contourner. Ah oui, si vous voyez, ah non, vous l'avez pas.
Le contournement qui n'a servi absolument à rien. Bouge pas, Maurice. Très bien. Au revoir, Maurice. Voilà. Aïe. Sniper. T'arrives. Aïe. Ça fait mal, ça. Ouais, mes grenades font très mal. Je crois qu'on va rester avec Gandalf. Ah mais oui, ah d'accord. D'accord, j'ai vu. J'ai vu. Bon, je suis à côté du bonus moi, donc tout va bien. Bouge pas. Au revoir. Voilà. Et merde. Ah merde, je l'avais pas vu. Ils étaient deux. J'avais pas vu qu'ils étaient deux. Regarde le staff. Ah, c'est un PM. PM. Ouh. Ah oui, il est full. Ah, il est Providence. Providence, Murakami, Gila, ah il me faudrait un berserk, Douglas et ouais, Providence, ok. D'accord, joli stuff. Ils ont ligne du bonus imminente. Et je sais où aller. Donc on va de suite aller le récupérer. Bonus activé. Voilà. Ah bah non, c'était pas du tout le bon endroit, mais bon on y est. Cadeau. Allez, c'est Bibi. Allez, c'est cadeau. Non, on s'en fout. Je sais pas, j'entendais des balles. Allez-y, les mecs, allez au corps à corps. Vous avez du boost. Vous avez du boost, profitez-en. Vas-y. Aïe. Merci G4N. Aïe. Je m'en vais. Si c'est comme ça, je m'en vais. Non, je m'en vais, je m'en fous. Est-ce que je peux tomber quand je suis dans cet état? Ça m'intrigue. Essayons. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas descendre. Oula. Oula. Ah oui, il a fait du dégât, Maurice. Au secours. Non, bah pas au secours. Je voulais pas abandonner. Localisation d'agent, ok. Je dois pas en être loin, donc bon. 6, 5. Ah, salut Flex. Un ravitaillement spécialisé va bientôt. Ah, ça c'est pour moi, ça. Il est où? Faut que j'aille aider Flex et Gandalf. Voyons voir. Je peux me rendre utile par là-haut. Dommage. L'ennemi ouvre un colis largué. C'est réglé, hein. Il n'y a plus personne. L'ennemi a récupéré un colis largué.
Là, ça va commencer à être compliqué parce que ça va exploser de partout. Viens, Maurice. Coucou. Au revoir, Maurice. J'adore ces grenades. C'est n'importe quoi, ces grenades. En fait, faudrait presque que je me suicide pour obtenir d'autres grenades. Ah, j'en ai encore. Allez, viens. Viens. Parfait, bouge pas. Voilà. C'est trop bien. J'ai plus de grenades, au secours. C'est trop bien. Oh, je fais tellement de dégâts avec les grenades, c'est n'importe quoi. Ah, aïe, 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 aïe. Aïe. Tu peux me raise, s'il te plaît? Ah, bon, bah, tu peux pas me raise. J'abandonne, hein, Ah oui, ouais, ils y vont la tourelle, à la méga tourelle en fait. Ah, j'ai réussi à faire des kills avec mes grenades, ça marche bien. Voilà, donc tout l'intérêt de ce stuff grenadier, c'est ça, hein, c'est de faire masse de kills à la grenade. Et ça marche. Ça marche, je sais pas combien j'ai fait de kills, j'espère que je peux le voir à la fin. C'est trop bien, j'adore ce stuff. J'ai enfin un stuff PVP, PVE viable. Parce qu'un PVE, il tient le coup aussi. Attends, je le pourchasse. Je le suis. Non. Il a piqué. Non, c'est bon, il me l'a pas laissé, il me l'a pas piqué, tout va bien. J'arrive. Attends, le grenadier arrive. Non, monte. Oh, j'ai qu'une grenade, quelle passion. C'est moi. Merci. Oh, merci. Ah merde, je peux pas descendre. On est à 4v2, enfin 6v2 techniquement. Pas un joueur ça, s'en fout. Allez. Dans le sud. Putain, j'ai plus de grenades, c'est la merde. Oula. Aïe. Oula, ça fait mal ça. Yorosh. On essaye.
Oups. Ah merde. Ah j'aurais dû le raise. Aïe, j'aurais dû le raise, fais chier. Il en reste que. Ah putain, j'aurais pas eu le temps. Je dis ça mais j'aurais pas eu le temps. Oh, 4v1. Ah non, il est où? Il est où celui qui a besoin d'aide? Ah, elle est stressante cette partie. Vous n'avez pratiquement plus de temps. Bonus activé. J'ai vu, il est là-bas. Vous n'avez pas récupéré le ravitaillement spécialisé. Agent à terre. Je suis là. Et je crois qu'on gagne. On est 2v1. Yeah, victoire. Putain, le dernier était chaud. C'était chaud. Félicitations au dernier. Oh, je suis deuxième. Ah oui. Double pierre feuille ciseaux. Oui, j'ai changé dans la DZ. Tableau des réceptions. Mais oui, mais ça, je suis au courant. Merci. Meilleur score perso. Yes. 770. Ouverture des débats, aide, cool. Eh ben, on quitte le conflit, on ouvre nos caisses. J'espère obtenir donc les stuff que j'ai indiqué. Hein. Moi, pour moi, c'est mes idées. Après, à voir si ça se réalise ou pas. Parce que l'exploseur, il est sympa. Récupérer des grenades quand on fait des kills avec les grenades et augmenter le rayon de la grenade de 150%, c'est rigolo. Après, le rayon de la grenade, ça devrait plus correspondre aux grenades du survivaliste. Putain, j'y arrivais plus, là. J'y arrivais plus. Bon, après, mon démolisseur n'est pas 100% opti non plus. J'ai 5% de dégâts DPM et 5% de dégâts des explosions. Donc, bon, c'est pas encore terrible. Oui, bah ça, on sait que Aaron Kinner est un agent en égal de la Division, CF Division 1, ou CF, mon let's play, ce Division 1 qui est disponible sur la chaîne et qui va continuer d'être upload, même si j'ai... Je dois avoir tourné autant d'épisodes que The Division 2 sur The Division 1, mais il y a 2 mois, sauf qu'il y a The Division 2 qui est sorti entre-temps. Donc bon, on a dit les caisses. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, les caisses, c'était juste les caisses. Un Alps, pack track d'élite. Voyons ce qu'il vaut. Et des Alps, double Alps. Où il est le pack track? C'est lui, c'est toi. Protection, dégâts décrites, soutien technique, insolation. Protection contre les altérations d'état, 4,5% de dégâts décrites. Si je le passais à 6,5% de dégâts. Ah, ça pourrait être intéressant. Changer le soutien technique. Ah, bah non, je peux pas. Non, je peux pas, ça marchera pas. J'ai déjà essayé, ça marchera pas. Il faudrait que je passe l'isolation. Malheureusement, ça ne peut pas. Ah, c'est dommage. Ah, mais oui, mais je suis très con. J'ai dit que je faisais des. J'ai dit que je faisais de l'opening. Bon, j'ai pas beaucoup à faire, hein, donc... une clé. Et là, une clé. Oui, j'ai pas d'autres caches de l'event parce que j'ai tous les trucs. Oh, du bleu, que c'est bizarre. Les chaussures, voyons les chaussures, quoi ressemble. Des bottes de SWAT. Ah, c'est cool. Ah, j'aimerais bien avoir la tenue complète du SWAT. Du violet. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment fermer les tenues ensuite. Oh, Nemoth. Bisous, bisous. Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui me manque comme émote? En fait, j'ai quasiment tous les émotes rares. J'ai juste pas le craquement des doigts, j'ai pas le je t'aime, le country. Ah, j'aimerais bien avoir le country. Rigolo. C'est un émote de fin. Air de piano. Air de pêche. Stop. Quoi, stop? C'est que ça. Non, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, bon, bah c'est. Attendez, 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 attendez 2 secondes. Il y a une couille là sur ces modes, c'est pas possible. Tu me mets ça à la place de ça. Ah non, c'est normal, non? Ah non, c'est pas ça que je voulais mettre. T'es foutu encore. Qui j'ai niqué encore. Non, c'est le stop. Ah ouais, d'accord, c'est bien ça. Ah, mais le stop le plus crédible du monde. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien des fois avec les pinges. C'est avec les émotes, c'est une connerie, mais c'est rigolo. Non, non, j'en fous. Je joue une émote. Prenons, je sais pas, allez, par exemple, le disco. Non, disco, pardon, ah oui, faut cliquer. Ah oui, il faut qu'il le voit, c'est vrai. Non, mais. Bon, elle doit pas parler. Ça là, elle doit pas parler. C'est un peu. Ah oui, c'est pas. Non, bah, Soleil ne parle pas. Bon, en fait, des fois, les pinges, quand ils parlent, quand vous dansez à côté d'eux, ils vont dire: Oh, je vois qu'il y en a qui n'ont pas perdu leur sens de l'humour. J'ai eu un seul pinge qui ne m'a pas insulté, qui m'a dit: Ouais, trop drôle. C'est le seul qui m'a pas insulté quand j'ai fait le con à côté avec les émotes. Tiens, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas visité la Maison Blanche, moi. C'est Bonaparte, ça? Pourquoi y a une portrait de Bonaparte ici? This week food menu. Du poulet grillé, de la salade. Ah oui, des hamburgers végétariens. Hamburger au bacon. Salade César. Riz au porc. Soupe de luxe avec. C'est quoi là? Baléo? Je vois pas le caractère du milieu. C'est un U, c'est un L, c'est un N. Barrio? Je sais pas trop ce que c'est. Baked. Oh, putain, c'est un K. Baked bread. Du pain cuit. Donc soupe de luxe avec du pain cuit et des. Ah, une butter, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, une butter, mais votre quelque chose, je sais pas trop. Et du fiche de luxe, du poisson de luxe. Du jus de fruits, du lait, soft drinks, water, tea, donc eau, thé, eau pétillante. Sparkling water, c'est de l'eau pétillante. Je l'ai appris grâce à mon boulot. Oh, tiens. Bon, on va finir sur la directive 51. Tin, tin, tin. D'accord, ils ne disent pas ce que c'est en fait. Bon, d'accord. Ah, ils contrôlent les frontières, tiens. On l'avait pas déjà entendu celui-là? Si, on l'avait déjà entendu dans la bêta, je crois. Alors, j'étais déjà venu le récupérer. Ouais, j'étais venu le récupérer dans la version bêta, c'est ça. Moi, j'aime bien balader dans ces jeux. C'est. Notre build, faire une vidéo de build, c'est très intéressant. La théorie est très intéressante. Mais se balader dans ce genre de truc, c'est aussi très rigolo. Donc, bah, en attendant, les gens. Hop, on se met bien. On se met bien et on fait le au revoir. Enfin, un vrai au revoir. J'ai le salut. Donc, c'est bon. Ah, non, au secours, non, au secours, le mode photo, non, le mode photo, voilà, non, je suis glitch, voilà, merci. Et donc, hop, donc c'est G, tab, pause, on va mettre le salut.
Et au revoir les gens. Ah merde, loupé, mauvaise touche. Allez bye les gens. C'était Revan 11000. Ouais, j'ai pris le screen pour faire la fin de vidéo. En fait, je fais toujours mes miniatures en jeu. Et je les monte un peu après. Et je les mets en miniature. Voilà. Et donc voilà. Bye bye les gens. C'était Revan 11000. Cette fois, je fais pas la photo.